Bon Bernard, merci de nous accueillir chez toi, sur le domaine familial. Avec plaisir. Voilà. Alors l'histoire du domaine Plajol, alors j'ai entendu dire que Plajol c'était le pape du Gaillac. Oui, je ne sais pas si c'est le pape, mais... ouais, c'est un vieux domaine, c'est un domaine familial, je suis la cinquième génération ici sur le domaine. Et donc, Florent est là, c'est la sixième est là, Florent est installé, mon fils, l'aîné, puis le second arrive. Le second arrive normalement l'année prochaine, donc c'est eux la sixième. Et le pape, en fait, c'est surtout mon père qui a fait un gros travail à la fois de recherche, mais ça on le sait, notamment sur les vieux cépages, tout ça, mais de communication aussi. Parce que c'était bien joli de faire tout le boulot qu'il a fait, mais aujourd'hui, tu peux faire le meilleur vin du monde, si tu ne communiques pas, personne ne le sait, et tu disparais sans que personne n'ait su que tu as fait le meilleur vin du monde. Le but n'était pas là de faire le meilleur vin du monde, mais le but était de le faire savoir. Ouais. Que nos clients, les consommateurs, les professionnels du vin sachent qu'on existe et que ce vignoble existe. Quoi. Voilà, c'était surtout ça. Quoi. Grand-père avait déjà un petit peu commencé parce qu'il avait déjà une petite idée de ce qu'il voulait faire. Et malheureusement, il est mort jeune, trop jeune, quoi. Il avait 61 ans, je crois, 62 ans, il était tout jeune. Mais il avait bien compris déjà que. Bon, il faisait du vin, bien sûr, ici, il faisait ce qu'on appelle aujourd'hui le Mosaic Nature ou le vin de voile, il faisait déjà ces deux vins-là. Il a commencé à faire le vin, à commercialiser en bouteille après la guerre, quoi. Tu vois, un petit peu avant, mais surtout après la guerre. Voilà, donc déjà, là, c'est lui qui donne un peu l'initiative, la voix, quoi, ouais. Qui était, voilà. Et voilà, moi, j'arrive dans les années 80, donc je prends le train en marche, et, voilà, et par passion, parce que je crois pas qu'on puisse faire ce métier, comme beaucoup d'autres, certainement, mais celui-là en particulier, sans être passionné, quoi. Ouais. On n'est pas passionné, c'est trop compliqué, c'est trop ingrat aussi, parce que on est lié aux aléas climatiques. Donc, face à ça, il faut essayer d'être. Bon, d'abord humble, ça a intérêt à rester très humble, ça c'est la première, à mon avis, c'est la première des choses. Et puis essayer aussi de ne pas s'affoler, d'être assez serein, ce qui est compliqué, mais voilà, il faut accepter un certain nombre de choses par rapport au climat, et à partir de là, ben, bon, on y arrive, quoi. Ouais. Et donc la philosophie de travail générale, enfin, dans les villes, dans la cave, c'est le plus naturel possible. C'est le plus naturel possible, oui. Nous, on a fui assez... je connais pas... réellement la réelle définition de nature, mais pour moi, vin nature, c'est d'abord, bien sûr, une culture biologique, bien entendu, donc déjà, puisque de toute façon, ça commence là, c'est à la vigne que ça commence, hein. Faire du vin, finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, c'est, si on amène un raisin propre, bien mûr, enfin, il n'y a pas de raison de faire du mauvais vin, hein, voilà, hein. Mais, et puis donc, c'est des fermentations qui se font spontanément, donc avec la levure indigène, pour moi, c'est forcément cette levure indigène, cette levure naturelle, elle est directement liée au terroir, donc à travers ces cépages, et notamment les cépages... ces vieux cépages gaillacois que mon père a remis en place, il y a aussi un terroir qu'on va faire passer, bien entendu. Hein, donc, et c'est pour moi la levure indigène qui est l'élément essentiel à tout ça. Et tu disais donc que ton père a réinstallé les vieux cépages du gaillacois, donc tout ce qui est prunelard, brocol... Ouais. Alors brocol non, parce que le brocol existait déjà comme le duras, mais le duras en rouge, donc c'était un cépage rouge le duras. Il a failli passer à la trappe, quoi. Mon grand-père a réimplanté. C'est mon grand-père qui a remis la première parcelle ici, ici au Don.
Et somme de 13, je crois qu'il a refait la première parcelle de Duras en rouge. Voilà. Contre, envers et contre tous, parce que à ce moment-là, c'était la grande période où on plantait du Sauvignon, du Merlot, de la Syrah. Il a voulu préserver le Duras. D'accord. Parce que ça faisait partie de ces cépages autochtones, y compris de l'Ondain, qu'on a dans une vieille vigne de Mozac. Il y a 200-300 pieds d'Ondain aussi. D'accord. À l'époque, en disant qu'il faut le garder parce qu'un jour ça peut servir. Effectivement, ce jour-là est arrivé. Mon père a commencé à faire ses premières recherches vers la fin des années 70, et c'est là que tout ça s'est enclenché. Quoi, hein. Donc, premier cépage qu'on implante. En blanc, c'est l'Ondenc, et le deuxième cépage, c'est un rouge, c'est le Prunolard en 1992. D'accord. On le replante. Derrière, on remet le Mozac noir, et ensuite le Verdanel. Et puis petit à petit, on a essayé de refaire cette série de Mozac, puisqu'il y en a plusieurs. Bon, voilà. Et, voilà. Et en même temps qu'il fait tout ça, il communique parce que. Fin des années 70, début 80, Gaillac, c'est compliqué. Et vraiment dans une idée de transmission au final. Parce et dans une idée de transmission ouais. Au final, ouais. Puis, et puis il l'écrit. Ouais. Donc c'est bien joli de faire tout ça, mais il l'écrit, donc ça, ça ouais, reste. Ouais. Quoi. Pour faire une petite conclusion, 4-5 mots, la philosophie de vie, de façon simple. Comment tu... Elle voilà. Est liée, je serais tenté de dire qu'elle est liée au rythme de notre philosophie de vie, elle est liée au rythme de la vigne, finalement. La vigne, quand elle est l'hiver, un peu au repos végétatif, et ben moi aussi, un petit peu. Ouais. D'accord. Et là, à ce moment... Et là, genre, par contre,